Quand je fais connaissance avec le mouvement public international Al-Aqsa, j'ai compris qu'il y a beaucoup de gens dans le monde entier avec de bonnes intentions. Ce sont des gens de différentes niches de la société, des gens de nationalités différentes, de confessions et de professions différentes. En réalité, tous sont très familiers et proches, surtout quand tu commences à étudier combien nous avons de points en commun. Les participants d'Al-Aqsa TV dans le monde entier réalisent un grand nombre de projets intéressants, d'émissions, qui font partie de sphères tout à fait différentes. Al-Aqsa TV, Tchécoslovaquie, est avec vous. Le mouvement public international Al-Aqsa. Je sens que nous sommes tous en contact, nous nous inspirons les uns les autres. Avec des cultures et des langues différentes, réaliser l'importance de s'unir et d'atteindre le vrai changement à travers la bonté, l'amour et la paix. Tout d'abord, je voudrais remercier tous les participants du mouvement Al-Aqsa, qui, en s'inspirant des livres d'Anastasia Noller, ont créé ce mouvement si magnifique et si bon. Le mouvement public international Al-Aqsa a été créé par les gens à partir des connaissances et grâce à leurs souhaits afin que se multiplie la bonté, qu'elle se répande à partir des connaissances. Quand j'ai rencontré le mouvement Al-Aqsa pour la première fois, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens dans le monde avec de bonnes intentions, de différentes nationalités, croyances, professions. Il y a des hindous, des musulmans, des chrétiens, des bouddhistes. Ils sont tous unis par une idée commune, l'aspiration à l'unité, indépendamment de la nationalité, des castes ou des origines. Le mouvement Al-Aqsa, c'est là où l'amour, la bonté, la sincérité sont réalisés dans les actions des gens, dans leur simple journée.